Les ministres des Sports et la FECOFA poursuivent avec les consultations, ceci dans le cadre de la préparation de la double confrontation RDC-Maroc pour un accompagnement sans faille de tous les Congolais à la qualification de départ au Mondial Qatar 2022. La deuxième journée de ces consultations était consacrée plus au gender, puisque les femmes réunies au sein des différentes structures de soutien au Léopard ont aussi eu droit au chapitre. Excellence. Là, nous avons compris. Le caractère inclusif de ces consultations fait place à tout le monde. Voilà qui justifie l'attention particulière accordée à ces groupes de jeunes, dites Chegué. Quand les PSAMI, tout le monde, c'est trop nécessaire. La qualification à l'Europe, nous devons être nécessaire pour la moitié. Les PSAMI sont confiants, peut-être que nous devons être nécessaires. À tous ces différents interlocuteurs, un seul mot d'ordre. Total soutien au Léopard a confié le ministre Kondé. Message au Européen Sabino Ezali, il y a soutien total à l'équipe nationale Nabisso. Vous pouvez comprendre. Donc, nous ouvrons nos cœurs pour que Léopard Nabisso et Kende Liboso. Ouverte par l'administration des sports, ces deuxième jour de consultation pour une campagne tous azimuts de Léopard de la RDC à la double confrontation contre le Maroc, comptant pour les barrages qualificatifs au Mondial Qatar 2022, a été bouclée par l'artiste et musicien Lokwa Kanza.